Cause I ride for my clique, I get live with my clique, don't get high with my clique, do it down for my clique, said it's all that I know. Alors, yo, salut tout le monde, c'est Prose. On est déjà dans une partie P06 en main. Pourquoi? Parce que je vais vous parler d'une petite affaire qui est arrivée il y a pas longtemps avec ce fameux P06 justement. Comme vous avez vu par le titre, j'ai rentré un multi-kill tellement nice avec le P06. Ce clip se trouve aussi à être mon premier multi-kill non-split, clean, beau, tout le kit, plus 400. Ben, j'ai pas plus 400, plus 200 parce que j'étais en fracture. Mais vous comprenez le principe, vous comprenez le principe. Un beau multi, tout propre. Fait que moi, un peu vous expliquer tout ce qui s'est passé par rapport à ce clip-là. Parce que je vous le dis, là, c'était vraiment la situation du clip et comment c'est arrivé, là. Il y a comme un affaire qui fait que c'est juste ridicule comme clip. Je vais tout vous dire ça. Parce que moi, je hit ce gars dans la fenêtre. J'ai hit Marker, je l'ai hit. Marker. Plays. Alright, fait que j'étais en fracture sur Hunted et je me suis juste dit. Wait a minute. Je me suis dit pourquoi pas juste un peu utiliser le P06 et voir ce qu'on peut sortir avec ce petit bad boy là. Fait que là, j'arrive comme ça, je pogne le P06 au cam, c'est vraiment normal. Je pense que je venais juste de commencer à l'utiliser à peine. Fait que mon shot était pas trop exceptionnel avec ce fameux P06. On a un Wraith, buddy, on est en feu, nice hitter, yo, on joue quand même pas pire avec le hitter, toute la kit, yo, je le prends, je suis down, je suis très down. Oh my god le shot, oh la quad field était tellement belle. Il y a eu deux kills avec un Wraith dedans, mais ça c'est des détails. Ben ouais, donc comme je disais, je suis arrivé comme ça avec le P06. Puis la fois spéciale avec ce clip là, c'est que comme la situation était juste. J'étais en 15, pour 15 kills sans mourir, by the way. Mais c'est la situation était juste parfaite. Si les choses qui se sont arrivées seraient pas arrivées, j'aurais pas eu le clip. Fait que. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, fait que j'arrive sur Hunted en haut. Puis là, je vois qu'il y a comme un genre de. Comme déjà, il y avait un motherload là. Comme vous savez ce que je veux dire là. En fracture, quand t'as comme 300 trucs qui sont juste déposés à terre là, tu sais ce que je veux dire? Je vois ça devant moi, je suis comme oh my god, watch moi ben, moi je cours pour pogner cette affaire là, va me faire 1 million de points, je drop le Wraith pis les Raps, that's it. Fait que là j'essaie d'aller pour me déplacer pour me rendre, mais j'ai un allié qui me bloque, j'ai un allié qui se met dans mon chemin, fait que je suis pogné là, je suis comme quoi, qu'est-ce que tu fais, arrête de me bloquer. Finalement, le fait qu'il m'a bloqué, ça m'a tellement save le clip. Parce que ça m'a juste fait attendre, il m'a fait attendre là. J'ai dû. Oh non, j'avais mon glitch. J'ai juste resté coincé là. Puis on dirait bien que j'étais pas le seul à avoir eu l'idée de rush là-dessus. Parce que tout d'un coup, il y a juste 3 gars qui pop. Comme ça, qui arrivent. Ils viennent pour. Ils rushent sur le tas là. Quand je dis qu'ils rushent là, comme les gars, ils foncent sur le tas. Puis là, je suis comme, hey, j'en tue 1, 2, 3. Je vois le quatrième devant moi. Je suis comme, hey, let's go. Je le quick scope. Pis la balle que j'ai tirée, ok, elle a, je sais pas, ok, on n'est pas comment c'est arrivé, ok, mais il y a eu un espèce de shot aimbot, on dirait, que j'avais sur mon sniper. Je pense honnêtement que c'était un no-scope, mon shot, parce que la seconde juste avant que mon scope y rentre, comme la fraction seconde avant que mon scope y rentre, je pense que c'est là que la balle est sortie, parce qu'il y avait un gars devant moi, ok. Je vise le gars, j'arrive, je tire ma balle. Le gars complètement à droite, même pas proche, il meurt. Puis je suis comme quoi? Puis là, je m'en vais pour tuer le gars à droite après parce que c'est lui que je voulais avoir pour la 5 multi, pour le 5ème gars, pour le multi-kill, le 5K, ça a été tata. Mais là, je réalise que le gars du milieu que je visais, il est pas mort. Puis c'est l'autre gars à droite qui est mort. Fait que j'étais comme, hop, là, j'ai raté ma balle, puis ça finit là. Puis je suis mort. J'étais comme quoi? Comment est-ce que c'est arrivé cette situation-là? Fait que vous allez voir ça. C'était vraiment quelque chose, ce fameux clip-là, ce fameux multi-kill. Mais je suis vraiment content parce que ça lui donne vraiment un style, le fait que j'ai un genre de no-scope bizarre dedans. Ça donne vraiment un petit style au clip. Fait que, bien satisfait de ce clip-là. Vraiment, laisser un gros j'aime pour ce multi-kill. Beau multi-kill que j'ai rentré au P06, boy! Là, je sais que vous êtes probablement tout comme, ok, j'aimerais ça quand même voir le clip. Là, tu m'en parles depuis tantôt. Mais si je pourrais le voir, ça serait nice. Inquiétez-vous pas, gang, je vous montre tout ça dans un instant.
Laissez-moi juste rentrer le clip. Comment est-ce que ça bat? Son RC car est allé quand même haut comme dommage là. Faut dire. Oh le shot. Oh 48 pour 16. Bang bang. Facile de même qu'on joue à ce jeu là nous autres. Easy money. That's it. J'espère que ce petit gameplay vous a plu. Je vous laisse avec le clip. Gros j'aime tout le monde. Vous allez passer une très belle journée. On se voit demain pour une autre vidéo. C'était Prose. Peace out. C'était une multi! Wouh! Multi boy! Je pense que c'était même un no scope le dernier shot. Oh, ça c'était tellement faded. Ça compte même pas. J'ai eu le temps de recharger en plein milieu, là, comme à ce point-là. Same game though. Clip, puis je rentre une 5-1 puis 0-6. Yes sir man.